Oui, et vous-même, vous vivez ici à Lomé, oui, c'est ça? Oui, dans le quartier. Dans le quartier. Notre quartier, c'est... Où est la vie? Où est la vie? On a nommé le quartier par rapport au ministre. Tozun, Koku Tozun. Ah, il est où le ministre? Voilà, c'est sa maison. Ah, c'est ouais. D'accord. Koku Tozun, et puis... Il était ministre de la fonction publique, après c'est la communication. Maintenant, il est le chargé de la HAC. Ah ouais, la HAC c'est comme l'ARCEP. Ok. Voilà. C'est l'autorité de régulation des relations numériques. Ok. En fait. Ok. C'est ça, beaucoup. Les chaînes télé, les la régulation des... Voilà, donc d'autres questions? Oui, la dernière, peut-être une dernière question, c'est ouais. En fait, lui, il parlait tout à l'heure, en fait, c'est de ce que lui gagne en tant que mécano, c'est ça? Oui, c'est ça, Mais en termes de taxi, moto, ceux qui transportent vraiment les gens dans, d'un point à un autre, c'est une activité qui se porte bien. Oui, les gens se débrouillent pas mal, hein. Les taxis motos, disons que c'est maintenant, comme il y a les bus Sautral, ça a diminué au moins leur. Il y a les transports en commun qui ont réduit au moins cette activité. Bon, ce que ça pouvait rapporter à un taxi, celui qui conduit. Oui, ça réduit la clientèle. Oui, donc ça réduit. Mais toutefois, il se débrouille pas mal. Ben écoutez, là on vient de discuter avec Monsieur Lambert que j'ai croisé dans ce garage. Ouais. Il nous a expliqué rapidement comment les gens qui vivent ici à Kégué plus précisément et de façon globale au quartier de Koku Tozun. Ouais. Dont la maison n'est pas très loin. Donc comment est-ce qu'ils vivent? On a aussi vu comment le monsieur Amoussou est un spécialiste. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de talent en Afrique, mais qu'on ne revalorise peut-être pas ou bien qu'on connaît, on ne connaît pas suffisamment. Donc je vous laisse apprécier quelques instants son œuvre. En tout cas, merci Monsieur Lambert ces échanges. Ouais. C'est pour des choses comme ça, je vous le dis souvent, c'est pour des échanges comme ceux-là que j'aime les Africains, que je vais tout le temps leur rencontre parce qu'on trouve des gens fabuleux. C'est vraiment des gens qui ont un grand cœur, qui n'hésitent pas à discuter avec vous. Et je pense qu'on va avoir de belles surprises tout au long de ce petit séjour ici. C'est des gens fabuleux. Moi, je vous invite réellement à venir ici à Kégué, au Togo, à venir rencontrer ce peuple qui est très accueillant. Allez, je vous dis à très vite et puis toujours que le investir. Salut. Salut. Ah, vous voyez, on a même déjà un petit public. On s'est constitué un petit public derrière.